Je m'appelle Alex Jeanroy, j'ai 22 ans, je suis bijoutier sertisseur et je représente les Pays de la Loire. J'ai remporté le 3e prix national au prix Avenir des métiers d'art. J'ai fait un CAP bijouterie, un brevet des métiers d'art option joaillerie et j'ai fini par un CAP sertissage. Maintenant, je travaille en tant que bijoutier sertisseur chez Cartier. Le sertissage, ça consiste à poser les pierres sur les bijoux. C'est vraiment l'étape finale. Et la bijouterie, c'est vraiment mettre le métal en valeur, travailler le métal, le mettre en volume, la jourer. Il y a plein de techniques. Ma création, je l'ai nommée Triomphe à l'ivresse. C'est un collier. Durant mon CAP sertissage, on avait un thème imposé. C'était les fruits et légumes. J'ai choisi de travailler sur les raisins pour son histoire. Et je me suis dit, c'est parfait pour l'associer à la joaillerie. Et j'ai décliné les feuilles de vigne, les fleurs de lys pour en arriver à mon collier, à ma création. J'ai fait une grappe de raisin en verre de Murano. Les petites perles étaient montées sur des tiges d'argent et moi, je me suis contenté de trouver une façon de les emmailler pour garder un certain volume de la grappe de raisin puis une certaine mobilité. Il y a des perles de culture de Tahiti. Comme le veut la tradition en joaillerie, on est censé faire un nœud entre chaque perle pour ne pas qu'elle se touche, pas qu'elle s'abîme. Il y a des fleurs de lys, des pierres, c'est des améthystes. Chaque pierre a un diamètre différent, donc chaque pierre avait un emplacement précis sur le collier. Et la difficulté, c'était de pas les casser, les pierres, parce que c'est des améthystes naturels, donc c'est assez fragile. Je suis fier de cette pièce parce qu'elle clôture bien mes années d'études dans la bijouterie. Un paysage ensoleillé déjà. Un éclair au chocolat.